Alors, le potentiel pour l'agroalimentaire et singulièrement pour les produits agroalimentaires français, on est assez peu présent hein, aujourd'hui, bon, mais il y a des choses intéressantes. Hein. Par exemple, on exporte vers l'Afrique du Sud à peu près pour 300 millions hein, tous les ans en agroalimentaire, dont beaucoup de spiritueux. Hein, tu me disais, Marc, par exemple. Voilà. Et puis, on a des partenariats avec l'Angola, des partenariats de filières, hein, ce qui permettra évidemment d'exporter plus, hein, avec Invivo qui est présent là-bas, Limagrain, etc. Il y a des investissements de la Réunion en crevettes au Mozambique, par exemple. Hein. Très intéressant. Allez, le potentiel pour les produits agroalimentaires français. À ma droite, j'ai Bernardo Ribeiro. Il est portugais. Il est en charge du business développement de Teixeira, j'espère que je l'ai bien dit, Dualte DCG. Voilà, c'est un groupe portugais diversifié dans l'immobilier, dans la construction, la distribution, avec une très grosse activité en Angola. Et il est dans l'importation de produits agroalimentaires, dans la pharma aussi d'ailleurs. Et il cherche des produits français, voilà. Hein, et ben il va nous en parler tout à l'heure. Christian Rimbaud, bonjour cher monsieur, directeur général des développements du groupe Holder. Holder, hein, vous connaissez tous Paul, et ben les boulangeries Paul évidemment, le groupe Lillois hein, qui est très présent à l'international dans plus de 50 pays. Et vous êtes en Afrique du Sud avec un partenaire local et l'Angola vous intéresse et puis plus largement la zone. Et puis, allez, à consommer sans modération aujourd'hui, c'est Nicolas de la Giraudet et les Roms Isotiers. Voilà, vous êtes basé à La Réunion, la plus ancienne distillerie de Réunion. 25 millions d'euros de chiffre d'affaires, hein, à peu près. Et ce qui est bien, c'est qu'il commence à prospecter depuis La Réunion. On verra peut-être, il nous dira quel est l'intérêt de prospecter depuis La Réunion, évidemment, sur la zone, hein, pour y exporter. Allez, Christian Rimbaud, Paul, tout le monde connaît maintenant en Afrique du Sud ? D'abord, bonjour à tous. Oui, bonjour. Merci à Business France. Oui, on est en Afrique du Sud, juste avant peut-être pour resituer. Oui, on peut citer, donner quelques chiffres sur l'Afrique. Ouais. Paul, en Afrique, puisqu'on est sur le continent africain depuis bientôt maintenant 25 ans, donc Paul a cru au continent africain. On est présent sur 12 pays et on a 81 magasins. On a 4 pays qui... Et dans le pipeline, si j'ose dire, hein, je vais les nommer, l'Algérie, on a parlé beaucoup d'Angola ce matin. Ouais, on va en parler d'Angola avec vous. Ouais. Après, le Mali, le Sénégal, et puis on est sur 4 pays en négociation active, donc ce qui va faire que d'ici 2025, fin 2025, on sera présent sur 20 pays sur le continent africain. Alors, l'Afrique du Sud, vous avez 6 magasins, je crois, vous êtes avec un partenaire local. Quel est le profil de ce partenaire, d'ailleurs, en Afrique du Sud ? Alors, il est en franchise, c'est ça ? C'est des modèles oui, de franchise ? Alors, il est bon de préciser, c'est une bonne question, il est bon de préciser que Paul est en succursale, en filiale, comme on dit, en France, à UK, et puis à Singapour, et dans tous les autres pays du monde où on est présent, sur le continent africain particulièrement, c'est de la licence. La licence de marque. Et donc, alors, le profil, en général. Comment vous l'avez trouvé ? Alors, c'est une bonne question. Il n'y a que des bonnes questions ce matin. Comment dirais-je ? En général, on recherche des gens qui sont déjà, qui ont une expertise dans le food, dans l'agroalimentaire, qui sont dans le retail, qui ont une implantation locale. Une chose qui est importante de préciser, on signe toujours avec des partenaires qui sont des locaux. Facile à trouver en Afrique du Sud ? Eh bien, écoutez, on en a trouvé un. Donc, oui, bien sûr. Non, mais ce sont des grands noms, parce qu'il y a des grands groupes hein, diversifiés, oui, etc. Peut le citer, on peut le citer. On est avec Famous Brand, qui était déjà un partenaire implanté sur l'ensemble du territoire de l'Afrique du Sud. Et qui avait d'autres marques en portefeuille. Et qui avait d'autres marques en portefeuille. Ce qui est bon aussi de rappeler sur certains pays, c'est qu'on a vocation, Paul, à être aussi bien avec nos différentes typologies, de magasins, puisqu'on va de la boutique, je vais dire, avec le salon de thé, la boutique atelier, et puis après avec des kiosques, des satellites. Et puis aussi, il y a, je pense à l'Afrique du Sud, mais comme demain en Angola, quand on va ouvrir, c'est aussi sur ce qu'on appelle des marchés concédés. Les aéroports et compagnie, c'est ça ? Les sites de transport. Les autoroutes. Donc là, Paul a toute vocation. Et puis je vais citer, parce qu'on parle de Paul, mais le dernier né de la marque Paul, du groupe Holder, c'est Paul Le Café. Paul Le Café, qui est un coffee shop, hein, je vais dire à la française, qui va avoir donc une offre de boissons assez large. Et puis surtout, je vais dire, ce qui va être intéressant, c'est par rapport à notre expertise, c'est une offre de food plus large. Donc, on peut répondre à différentes... Alors, on va en parler, évidemment, hein, dans un pays mature aujourd'hui, qui est l'Afrique du Sud, hein, viser des marchés concédés avec ce partenaire ou un autre. Voilà.
Voilà. On va parler après des habitudes de consommation, cette fameuse classe moyenne, cette classe africaine, hein, évidemment. Oui. Comment est-ce qu'elle commence à consommer les produits Paul? Est-ce qu'elle est sensible à la cafétéria à la française, hein, appelons-le comme ça, ou à la pâtisserie à la française, oui, au comptoir à la française? Mais avant, c'est un marché rentable, l'Afrique du Sud, ou c'est... il faut qu'on mette beaucoup en marketing, il faut le partenaire alors, coûte cher. Est-ce que, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est un marché rentable, mais sur le long terme, c'est ça? Alors, je vais dire oui, je ne vais pas être modeste, et je m'en excuse. C'est qu'on ne serait pas aussi présent comme on a développé, parce qu'on est depuis 25 ans, mais le développement exponentiel sur le continent africain date depuis 2010. Et la première boutique qu'on a ouverte à Johannesburg, hein, qui est un flagship, ouais, boutique atelier. Mm-hmm. Je vais donner des chiffres parce que c'est aussi important de donner des chiffres. En moyenne, on fait, je ne sais pas si ça va vous parler, mais c'est 1000 clients par jour. Hein, je vais donner évidemment. Et le panier moyen, c'est combien? Alors, le panier moyen, je vois que vous allez dans le détail. Heureusement, j'ai révisé mes petites fiches. Donc, Paul, c'est toujours. On a deux grands pôles, sans faire de mauvais jeu de mots, chez Paul. on a la vente à emporter, et puis c'est vrai que contrairement peut-être à ce qu'on a pu développer en France, on est très présent sur le service à table. Donc on va avoir un ticket moyen entre 8 et 9 euros sur la vente à emporter, ce qui est un bon ticket, et évidemment sur la place assise, c'est-à-dire la partie restauration, puisqu'on fait aussi bien du petit déjeuner, du lunch, du goûter ou du dîner à l'international, hein, chose qu'on ne fait pas forcément en France, on va être sur des tickets moyens beaucoup ouais, plus élevés. Alors pour rester sur l'Afrique du Sud, c'est un des marchés, c'est un des pays les plus inégaux au monde, avec de très très grandes différences d'habitudes de consommation. Est-ce que cette population africaine, la classe moyenne, etc., franchit les portes de vos magasins et est en augmentation? Alors oui, on parlait de croissance tout à l'heure. On est au-dessus des chiffres qui sont annoncés tout à l'heure, donc aussi bien dans les trois pays qui ont été annoncés, puisqu'on parlait de Maurice. Hein, si je reviens sur l'Afrique du Sud, on est en croissance. Alors moins par rapport à certains, par rapport à l'île Maurice, où on est de mémoire à 9% de croissance pour 2023, et on doit être aux alentours de 2-3 sur l'Afrique du Sud. C'est pour ça qu'après cette implantation qu'on a, on va développer, c'est ce que je disais, des typologies, parce que le but de Paul, c'est d'être largement, comment dirais-je, présent dans les pays où on est, pour répondre au plus grand nombre de la population, avec un effet volume. Dire, du café, du croissant, du... Alors, vous êtes à Maurice, hein, évidemment. Bon, ça, pays développé, etc., c'est assez logique. Et puis, avec la clientèle touristique qui connaît votre enseigne, le but, c'est de se développer en Angola. Alors, ça peut intéresser une Angola. Ça peut intéresser peut-être monsieur, puisqu'il est à l'affût de produits français. Alors, l'idée, c'est de se développer là aussi, de trouver un partenaire. Alors, et quel est le business plan sur l'Angola? Parce que c'est la deuxième économie de la zone. Oui. Il y a aussi toute une classe qui consomme à Luanda. Entre parenthèses, Luanda est une des villes les plus chères au monde. Hein. Il ne paraît que ça a baissé, d'ailleurs, le coût de la vie à Luanda. Alors, la stratégie en Angola? On va ouvrir à Luanda en 2025, premier trimestre. Donc, alors, on a déjà un partenaire, mais c'est un grand pays, comme ça a été rappelé. Il y a les marchés concédés que, bien entendu, on est ouvert ici lors de ce forum à pouvoir échanger sur les potentialités. Le business plan, c'est d'ouvrir 10 magasins en 5 ans. Sur l'Angola. Sur l'Angola. C'est pas mal. Alors, on a des grandes ambitions. En concédé ou en ville? Alors, je vais dire, là, on n'est pas sur du concédé. On est au travers, je vais dire, on peut aussi bien ouvrir dans les malls que dans les centres-villes, voilà, dans du classique. Et en général, encore une fois, je le rappelle, c'est de vraiment avoir un positionnement qui va faire que ça va donner de la visibilité à la marque. Est-ce que vous pourriez être sur des pays moins riches, mais où il y a du potentiel, la Namibie, le Botswana, le Madagascar, ils connaissent tous Paul, j'imagine, enfin, ou beaucoup, voilà, où attention, c'est petit à petit, l'oiseau fait son nid? Eh bien, oui. Puisqu'on n'est pas arrivé à ouvrir 12 et voire 16 à la fin de l'année, 16 pays où on sera présent, bien entendu, on n'a pas d'interdit. Ce qui vaut, une fois qu'on a le partenaire et qu'il faut qu'évidemment il y ait un minimum de potentiel, hein, puisqu'il faut 1000 clients par jour, il faut que quelque part on puisse les faire. Et c'est pour ça qu'on va toujours dans des centres-villes où il y a des centres d'affaires résidentiels et puis d'expatriés, puisque ça va donner une dynamique lors de l'ouverture du premier magasin. Et en général, ça suit. Ouais. Alors, ce n'est pas l'Afrique australe, mais je vais citer un pays, c'est la Mauritanie.
Oui, non, c'est pas l'Afrique australe, non. Non, mais... c'est un peu loin. Non, mais tout le monde avait mais dit... Mais il paraît que ça marche bien. Oui, vous avez réussi à vous développer. C'est pour ça que quelque part... Mais c'est francophone, c'est plus facile, ils connaissent, quoi. Oh, je sais pas si c'est plus facile, j'en sais rien. Bon, allez, vous reviendrez tout à l'heure. Ben justement, me dire un peu, être depuis la Réunion, vous êtes présent, est-ce qu'il pourrait y avoir des synergies, questions ouvertes. Et puis, qu'est-ce qui vient de France, quand même, en intrant hein. Voilà, je vous poserai la question, éventuellement, pour notre commerce extérieur. Allez, Nicolas Lagiraudet, ben vous êtes en France, puisque vous êtes à La Réunion. Ben voilà, la plus ancienne distillerie, hein. Bon, si vous voulez nous redonner quelques éléments, Isotier. Et puis, vous commencez à... Vous faites 25 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est ça, beaucoup sur la grande distribution, et puis les cafés, les restaurants, etc. Et l'idée, c'est de se développer et de commencer à viser l'Afrique australe, c'est ça? La transition avec Paul est toute trouvée, parce que je trouve des très bons cannelés dans les boutiques Paul. Et après, faut prendre un bon cannelé est fait à base de rhum. Oui, ou un petit coup de rhum après, d'ailleurs. Ouais. Ouais. Nous, Isotier, juste un mot avant de parler de nos ambitions à l'Afrique australe. On est une entreprise familiale. On est la 7e génération aux manettes. L'entreprise a été créée en 1845. Et il y a 3 distilleries qui font du rhum à La Réunion. On est une de celles-là. On est la plus ancienne. Mais pour la petite histoire, on est aujourd'hui la plus ancienne entreprise privée encore en activité à La Réunion. Donc je dirais, on a des racines profondes. Mm-hmm. Maintenant, la question que vous me posez, c'est comment on est en Moselle. D'accord. Et aujourd'hui, on a un savoir-faire. On a une équipe qui est basée à La Réunion, qui fait dans le portefeuille de rhum, et je ne vais pas être trop technique, 3 choses. Des rhums blancs. Et pour les spécialistes, il y a 2 types de rhum blancs. Il y a le rhum blanc agricole et à base de mélasse. Nous, on maîtrise les deux et on arrive à faire les deux. On vieillit nos rhums en chais. Et effectivement, on bénéficie du climat tropical et on le fait vieillir à La Réunion. Et il y a un troisième aspect sur lequel nous, on s'est fait une renommée. C'est les rhums dits arrangés, qui est une tradition familiale. Les rhums aromatisés, c'est ça ? Les rhums sur lesquels on fait des macérats d'épices et de légumes. Donc, ils ne sont pas aromatisés. C'est à base de macérats qu'on filtre et qu'on tourne la bouteille. Oui, c'est meilleur. C'est meilleur. Et le mieux, ce n'est pas que j'en parle, mais c'est si vous êtes intéressé, avec modération et sourire, il y a un stand... Un stand il fait chaud un peu aujourd'hui plus à Paris à consommer quand même avec modération, mais c'est vrai que c'est délicieux, hein, le rhum attaché. Alors, mais donc voilà, ça c'est alors la stratégie là, avant qu'on aille. En fait, notre stratégie, elle est très simple. Ouais. C'est que nous, notre job, c'est de mettre La Réunion en bouteille, d'accord, à travers ce que je viens de vous dire. Et donc maintenant, une fois qu'on a mis La Réunion en bouteille à travers le rhum, eh ben, il faut qu'on aille porter cette bouteille dans les différentes zones géographiques. Qu'est-ce qui vous intéresse ? Quelle est votre réflexion aujourd'hui ? Historiquement, soyons concrets, le business plan, il y a des choses, il y a des pays qui se développent, qui vous intéressent, sous quelle forme, comment ? Donc historiquement, on est présent et uniquement présent en France métropolitaine et à La Réunion jusqu'à il y a quelques années. Et en fait, on a 3 axes de développement international. Un de ceux-là, c'est ce qu'on appelle la partie limitrophe. Et la partie limitrophe, évidemment, eh ben, c'est l'océan Indien, c'est l'Afrique australe. Donc concrètement, nous, on a 2 objectifs sur cette partie-là. Il y a un objectif commercial et un objectif industriel. Donc l'objectif commercial, eh ben, vous avez cité les pays. Pour nous, c'est des populations qui sont très intéressantes à adresser. J'observe que dans le marché des spiritueux, historiquement, c'est le whisky qui a un peu la main. D'accord. Et nous, on exporte du cognac, je crois, hein, Marc. Hein, évidemment, pas mal de cognac, hein, voilà. Le cognac, on n'en parle pas, un grand succès à l'export français. On l'a tous en tête, mais... On voit de façon macro au niveau mondial, et l'Afrique s'inscrit dans cette tendance, et l'Afrique australe s'inscrit dans cette tendance, que le rhum est en fort développement. D'accord. Donc nous, on est sur un marché, le rhum, qui est porteur, et au sein du marché du rhum, le rhum dit arrangé, ou les spice rhum, comme on dit en anglais, sont vraiment les segments plus dynamiques. Et donc vous parliez, alors il y a le commercial, donc on a cité les grands pays, je pense, hein, ouais. Où il y a du pouvoir d'achat hein, qui vont vous intéresser, et vous m'avez dit... Vous venez de le répéter d'ailleurs, éventuellement vous songez à une implantation industrielle dans un pays où il y a de la canne. Alors. Pour répondre à votre question, qu'est-ce qu'on cherche à faire sur la partie commerciale ? Nous, on cherche des partenaires pour distribuer nos produits. D'accord ? Ça, c'est le premier point commercial. Et le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, nous, l'ensemble de notre production, elle est faite à La Réunion. D'accord ? On maîtrise la filière, terre de sucre, et on maîtrise de la canne à sucre jusqu'à la bouteille. Mais on cherche et on est très avancé sur des projets industriels, donc d'implantation. En co-investissement d'une distillerie en Afrique australe. Donc Arnaud, je réponds à votre question. Ouais, on est en discussion très avancée sur une implantation, donc en fait avec un partenaire local, co-investissement, pour justement bénéficier d'une présence sur le sol africain
en Afrique australe et qui nous donne deux avantages. Un, diversifier notre sourcing de rhum et de canne à sucre. Ouais. Et deux, avoir un pied-à-terre en Afrique. Et la stratégie qu'on a, c'est, si je raisonne en stratégie de marque, on aura une stratégie de marque, je dirais, qui est haut de gamme, qu'on maîtrise complètement, qui est la marque Isoutier, et une stratégie de marque qui sera peut-être plus access, d'accord, développée pour le marché local, à travers notamment une production d'alcool local. Le fait d'être à La Réunion, c'est un avantage comparatif ou pas? Parce qu'on est à peu près sur les coûts de la métropole, peut-être un peu moins, mais on est beaucoup plus proche quand même. Et on connaît Madagascar, on connaît Maurice qui est un peu concurrent d'ailleurs. Mais je vais répondre de façon un peu provocatrice. Oui. C'est que quand je vois le succès des entreprises, et notamment familiales, d'accord, à La Réunion, et je le compare avec le succès des entreprises familiales assez comparables à Maurice, je pense qu'on a beaucoup à apprendre historiquement des groupes mauriciens. Donc aujourd'hui, je prends acte de ça. Donc si c'était aussi facile que ça, ça aurait été fait. Donc je ne dis pas que c'est facile. Très franchement, je vais jusqu'à dire qu'on a un peu de retard, mais qu'aujourd'hui, et là je vais parler au nom d'Isotier, et pas de Maurice et de La Réunion, mais au nom d'Isotier, nous on a confirmation qu'on a un vrai savoir-faire, on a confirmation que nos produits marchent, on a gagné beaucoup de médailles, et je vous passe le détail et vous le goûterez encore une fois plus tard. Ouais. Et deux, on va mettre les moyens pour connaître le succès. D'accord. Ouais. Donc aujourd'hui, il n'y a rien qui nous empêche de connaître le succès, mais on en manque, et donc on s'inscrit, et il y a d'autres exemples dans d'autres domaines évoqués précédemment où c'est tout à fait possible qu'en étant français et ou basé à La Réunion, on puisse développer un business florissant sur la zone. Eh ben parfait, ben merci Nicolas de la Giraudet. Donc bonne chance à vous, Rhum Isoutier. Effectivement, vous serez parmi ceux qui ont contribué à approvisionner un magnifique buffet, on n'est pas loin, remarquez, qui nous attendra tout à l'heure. Alors, merci à vous. Alors, Bernardo Ribeiro, je l'ai dit, hein, Teixeira Duarte DCG, groupe portugais diversifié dans l'immobilier, avec une grande présence, hein, c'est ça, en Angola. Est-ce que vous voulez nous résumer la présence de ce groupe portugais, comme tous les groupes portugais qui est beaucoup présent sur l'Angola ou le Mozambique, vous très très présent sur l'Angola, c'est ça? Okay, I will speak in English. Yeah, sure. I understand the... Merci, it's all right, okay. Take the microphone, sorry. Yeah. Thank you very much for the invitation in the name of Business France. Thank you so much. Regarding the operation of Teixeira Duarte, we are a company with more than 100 years of history. Okay, we are present in 22 countries worldwide with six different operation sectors. So the main, the core business of the company starts 100 years ago with construction. Nowadays, we are in real estate, food distribution, service, hospitality, and automotive. For us, Angola is an important country. We are in the country for almost 50 years, okay? Nearly during the period of the independence of Angola. The food distribution, that is the most important issue for the forum, starts to support our staff in the beginning of the construction business, because there was no supply chain in terms of food distribution, and we start with our employees. Nowadays we are talking about 2,000 employees in the country, okay, in a universe of 10,000 of all the Teixeira Duarte in the world. Nowadays we are strong because we opened 28 years ago one of the first supermarket chains in Angola. The name is Maxi, okay. Maxi Supermarket. So it's like a mall which includes delicatessen services, home decor, supermarket, pharmacy, different kind of service. We are spread across the country, in the capital, in the capitals of the provinces of Angola. Okay. We also have another business that is important to discuss here, that is the brand representation. We distribute, for example, exclusive wines. I think could be interesting for French companies, wines and spirits. Of course, due to the cultural alignment with Portugal, mm-hmm. I think 80% of the wine that is consumed in Angola comes from Portugal. Okay.
But there are, of course, when you are talking about premium wines, or about champagne, about specific kinds of cheese, so dairy, it's also it's an important sector to develop. And I think nowadays we should think also in partnership, not only in imports. And Angola is doing a good job in terms of developing the national industry. And for us, if in the beginning we have to import everything, nowadays most of our supply chain comes from national production. And then national sourcing. National sourcing, okay. Yes. En ce qui concerne les produits français, sont-ils connus, réputés, known in Angola, French products or not at all? Et quelle est votre stratégie? Est-ce que vous voudriez distribuer des produits français? Et lesquels? Which one? The French product is known in the market for sure. Of course, in terms of purchasing power and due to all the taxes that are involved, because we have to pay taxes to import food items, okay? But it's still a niche in terms niche of purchasing uh-huh. power, yeah. Of course. Because if we are talking about wines, if we are talking about cheese, everything is expensive for the normal consumer. But in terms of position in the supermarkets, we're trying to make partnership, for example, in co-packaging and importing bulk, avoid so importing in raw material and trying to develop and add value locally to get the correct prices and to reach the final consumer. Mais vous voyez du potentiel pour les produits français dans un contexte de dévaluation de la monnaie, de la currency, et des problématiques de pouvoir d'achat, purchasing power, as you mentioned, in Angola. Il y a du potential for French products in Angola? No, I think there is potential not only in the food sector, but also in cosmetics and other products, because there is a strong background of French products in the sector. And it's also a thing to build in terms of branding in the market, because Angola people are quite aware about brands, and when we are talking about quality, the French products are recognized. It's just a question of purchasing power. But I think we have a huge population. There are people with some people with purchasing power to this kind of product. But for a long-term perspective, should be in partnership with the French know-how and the local investment to have a strategy for a long term and to reach the final consumer should be. So you're looking for brands, for French brands, in vous cherchez des marques françaises, yes. Dans l'épicerie, in grocery, dairy, fresh in dairy. Products. Mm-hmm. For example, nowadays we represent Nestlé in the market. They also have a base in the market, but we are exclusive distributors of the brand, and we have to source all across the world with them to understand what could be the price position to target a mass market or what is a product that is focused on the niche. Ouais. Une success story, par exemple, les vignerons réunis de Montségur, hein, c'est toi qui m'en as parlé, Marc, dans le Bordelais, une coopérative, bah, ils ont réussi à faire 100 000 euros from Bordeaux in Angola. 100 000 euros. A small French cooperative in the wine business called Vignerons Réunis de Montségur. Voilà, et en Angola aussi, des produits pour sauce, des fromages, des bases hein, pour sauce, pour des fondus, etc. Une entreprise qui s'appelle Proxess France aussi en Seine-et-Marne, qui a réussi donc à se développer sur l'Angola. La suite pour vous, la next steps for you in Angola and in Australia, in Southern Africa? Yes, we are exploring also the neighboring countries and trying to export some products from Angola. Nowadays, due to all the efforts that have been done in the national production, it's interesting to export directly to DRC because Kinshasa and Luanda are very, very close. Yeah, you sure. can reach it by road. It's interesting. Also, some partnerships with the tropical fruits, because we have also a project that we have to build from scratch to development
all the supply chain in terms of tropical fruits to export to our supermarkets. Uh-huh. And nowadays, the dimension is big enough to export. Yeah, okay. And this links with what was talked by IPEX through the Corredor de Lobito. Nowadays, we have farms that are certified to export in the region and also to the EU. And could be interesting because France is a big importer of exotic fruits, also the Netherlands, and everyone is looking for Lobito Corredor, not only in the perspective of mining, but in the same place you have amazing conditions and farms already there producing fruits. Of course, there are things to be done in terms of all the packaging material and facilities, but we are doing that with some trials already done, and the results seems good. Eh bien, super. Ben, vous aussi, muito obrigado, donc Bernardo Ribeiro, il est à votre disposition, là aussi, avec les équipes de Business France, évidemment, pour faire de l'import de produits finis français. Allez, on conclut juste avec vous, Paul, si vous voulez bien, cher monsieur. Qu'est-ce qui vient de France chez Paul, en Afrique du Sud? Ah ben, il vient beaucoup de produits. D'abord, il y a le savoir-faire, puisqu'on accompagne oui, nos partenaires. Oui, ça d'accord, mais, ça, mais en produits. En et puis, c'est important, hein, oui, la oui, compétence, oui. Le savoir-faire. Il y a la farine, oui. Puisqu'on parlait tout à l'heure de traçabilité. On est très sensible hein, en termes de RSE. On travaille avec les agriculteurs français de façon à donc avoir... Donc, il y a de la farine. Il y a de la farine. Le beurre ou pas le beurre. Oui, le beurre. Le beurre, nos produits manufacturés. Et la viennoiserie peut et la viennoiserie surgelée qui peut arriver, la viennoiserie, elle vient en surgelé de façon à garantir dans les 52 pays où nous sommes présents actuellement, comment dirais-je, la même qualité. Parce que ce qui est important pour une enseigne, en fin de compte, c'est que le client qui se trouve à Rwanda, à Johannesburg... à Maurice, il est sur nos produits phares, nos 20-80, la même qualité, le même service. Juste, si je peux, on est un peu plus jeune, Paul, puisqu'on est né en 1889 et on fête nos 135 ans. Ah, un peu plus jeune qu'Isotier, vous voulez dire. Voilà. D'accord. Ouais. Et c'est toujours, c'est la cinquième génération avec Maxime Holder qui est notre président. Et puis, peut-être pour anticiper votre question... Bah, je sais qu'il y a le projet d'ouvrir le capital d'Holder, mais enfin, c'est un autre sujet. Ça, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. On va évidemment continuer, puisqu'on vient d'être élu pour la deuxième fois marque préférée des Français, sur cette légitimité pour pouvoir accélérer notre développement. Eh bien, c'est un très beau raisonnement. C'est vrai que Paul est aujourd'hui une des marques françaises les plus connues à l'international. C'est absolument incroyable, effectivement. Et donc, y compris en Afrique australe. En Afrique du Sud aujourd'hui, demain en Angola et après-demain ailleurs, peut-être Madagascar, voilà, francophone. Maurice, vous y êtes aussi très présent. On les applaudit tous les trois chaudement. Merci à eux. Ils nous disent plein de choses. Il y a du potentiel pour les produits français. Je voulais citer par exemple Comptoir du Plan. Là aussi, tu m'en avais parlé, Marc. En Namibie, ils font de la sélection variétale de plants de pommes de terre, de la multiplication donc des plants de pommes de terre et la vente de plants de pommes de terre. Et ils sont en train de vendre un contrat en Namibie, hein, d'accord, voilà. Merci à vous tous.